Aujourd'hui, je suis à la boutique Au Pétale de Rose pour parler à la propriétaire Sarah Durette-Thériault pour savoir comment ça a été la réouverture de son commerce en temps de pandémie. Sarah, ça fait combien d'années que tu as la boutique Au Pétale de Rose? Ça va faire trois ans le 1er juillet que je suis nouvelle propriétaire de la boutique. Wow, puis t'es quand même super jeune, je pense, point 20. Oui, j'ai acheté la boutique à 25 ans. Oh, wow! Je suis bientôt 28 ans, donc ouais, très, très jeune. Je pensais pas acheter un commerce aussi jeune que ça, ouais. Mais l'opportunité c'est prête à moi, donc j'ai foncé dans la belle aventure. OK, puis pour avoir une boutique de fleurs, t'as étudié à Amqui, est-ce que t'es en ville? Moi, j'ai fait ma technique en comptabilité et gestion ici au CEMEC. Et j'ai fait un cours en or floral à une école privée à Montréal. OK. Puis après, t'es revenue ici, puis... Mais t'avais pas tout de suite, comme tu me disais avant l'entrevue, tu pensais pas acheter tout de suite une boutique de fleurs? Non, je pensais pas acheter tout de suite. Moi, j'étais à Rimouski, je travaillais dans des serres en horticulture. OK. D'où mon expérience en horticulture. Et l'ancienne propriétaire m'a approchée pour réacheter le commerce. Puis c'était mon plus grand rêve, là, d'avoir ma boutique de fleurs. Je m'attendais plus à avoir ma boutique de fleurs dans la trentaine, mais là, rendu, j'avais 25 ans, fait que j'ai foncé. J'ai foncé, puis je me suis revenue parce que moi, je viens d'ici. Fait que je voulais me rapprocher de ma famille et tout ça, là. Mais oui. Ouais. Puis là, avec la pandémie, c'est sûr que c'est pas facile, mais là, toi, au moins, ça faisait 3 ans que tu avais ta boutique. Donc, parce qu'on pense beaucoup aux entreprises, exemple, qui ça faisait même pas 1 an qu'ils avaient commencé, puis avec la pandémie, c'est dur présentement au niveau économique. Alors, toi, comment tu as absorbé tout ça? Quelle date que tu as su que tu devais fermer? La date exacte, je m'en souviens pas trop, parce qu'en vrai, ça va... Dans le coin du 12 mars, ça, ouais, hein? À peu près. Ouais. Ça va tellement vite. Dans le fond, c'est vraiment de l'adaptation. C'est le mot qui me vient, c'est de s'adapter semaine en semaine. On ne peut pas prévoir trop loin, on peut rien prévoir trop à l'avance. Fait que moi, j'y allais vraiment semaine par semaine. Dans les premières semaines, j'avais décidé de faire comme des box que j'allais livrer chez les personnes pour qu'ils puissent bricoler à la maison. Parce que, veux pas, quand on a su ça, on était tous un peu en mode panique, on savait pas trop c'était quoi non plus. Les idées de faire pour emporter, tout ça, ça vient pas tout de suite, j'imagine. Il y a comme un moment d'absorption. T'absorbes la nouvelle, puis après, tu te mets en mode... J'ai été une semaine en grosse réflexion, que je savais pas trop comment m'ajuster. Puis là, mais j'ai eu cette idée-là de faire des box pour que les enfants peuvent bricoler à la maison avec leurs parents ou quoi que ce soit. Fait qu'à chaque semaine, il y avait un nouveau bricolage. Puis après ça, est venu l'idée... Ça a fonctionné? Oui, ça a super bien fonctionné. Vraiment, je suis très contente. Puis après ça, l'idée est venue de faire des lives pour présenter mes plantes intérieures, pour pouvoir mettre un petit côté plus cocooning dans la maison des gens, Puis, est-ce que les gens venaient ici les chercher à l'extérieur? Oui, je faisais la cueillette à l'extérieur ici, mais j'ai fait beaucoup de livraisons. OK. Ouais, je laissais le colis à la porte, je cognais, puis les personnes après ça, bien, ils pouvaient récupérer leur sac là, à leur porte. Est-ce que c'était gratuit la livraison? Oui, j'offrais le service de livraison gratuitement pour juste... C'est génial, le beaucoup de commerces qui ont fait ça gratuitement dans la région, c'est vraiment gentil. Oui. Donc, ça c'est sûr qu'économiquement, c'était pas aussi bon qu'habituellement, mais ça a quand même permis de continuer à rouler un peu malgré tout. Exactement. Puis ça a permis aussi de garder ma passion, garder un contact avec mes clients. C'est quand même important. Je veux pas, en tant qu'entrepreneur, quand on ferme notre commerce là, à la clientèle, ça nous fait un petit... c'est notre bébé. C'est vraiment notre bébé, fait que ça fait mal. Mais dans le fond, c'est de garder contact avec le client. C'est juste pour ça que j'ai fait ça, surtout pour ça. C'est très instable aussi, du sens que quand c'est terminé, on se dit au début, deux, trois semaines, finalement, OK, bon, non, on dirait que ça va être un mois. Ah, OK, c'est quand qu'on va rouvrir. Puis même quand ça a rouvert, j'ai même été surprise personnellement. J'ai fait, OK, déjà, OK, le... T'as ouvert le 4 mai? Oui, là, j'ai décidé de rouvrir. Non, la semaine passée. C'était mon premier lundi. Okay. Les horaires sont plus petites. Pour me permettre, veux pas, il y a beaucoup d'achalandage sur les réseaux sociaux, étant donné que je fais des lives ou quoi que ce soit. Oui. Ça a beaucoup changé, veux pas, avec la pandémie. La différence, c'est beaucoup des réservations sur Internet, des messages. Okay. Les gens me demandent aussi des informations sur leurs plantes, quoi que ce soit. Fait que ça me prend du temps. Donc, j'ai décidé d'ouvrir moins à la clientèle pour avoir plus de temps pour répondre aussi là-dessus, m'ajuster... OK. Puis les gens achètent en ligne? Ils achètent en ligne, exactement. OK. Ils continuent encore. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde présentement. C'est sûr que les boutiques rouvrent, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts encore à se déplacer. Exactement. C'était épeurant. C'était épeurant. Donc, en fond, tu fais un peu 50-50, oui, là, finalement. Oui, c'est ça. Je fais 50-50. OK. Puis ça me donne le temps aussi de désinfecter la boutique, remettre la boutique en ordre à chaque fin de journée pour recommencer la journée d'ensuite. Est-ce que tu es fermé le dimanche comme les épiceries?
Oui, je suis fermée les dimanches et les samedis aussi, pour tout de suite. Mais tu sais, ça, c'est vraiment le mois de mai, mois de juin, je vais vraiment m'ajuster aussi. Comme tout le monde, là, on est en ajustement. Puis c'est de midi à 5. À 5. Et les jeudis de midi à 6 heures aussi pour donner un petit peu plus de chance à tout le monde. OK, parfait. Puis là, présentement, est-ce que tu es la seule en... Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as des employés avec toi? Là, moi, normalement, j'ai deux employés. OK. Ils rentrent une fois de temps en temps m'aider, mais étant donné que la pandémie, j'essaye de pas trop... On essaye de pas trop engager, d'avoir trop de dépenses. Oui, c'est Donc, je fais toutes les heures pas mal toute seule, là. Je suis toujours ici. Oui, ouais, il faut couper à quelque part. Oui, vraiment. Bon, mais merci beaucoup, Sarah Duret-Plaisio. Ça fait plaisir. Propriétaire de la boutique Au Pétale de Rose. Je vous invite à encourager les commerces de chez nous. Puis avec Sarah, c'est facile, embellir votre chez vous de belles fleurs et de belles plantes.